Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation de l'Itineo TC740. Nos Integro sont exclusivement fabriqués en France et bénéficient du savoir-faire et de l'expérience du groupe Rapido. Nos Integro Itineo sont des porteurs Fiat avec une motorisation 130 chevaux de base et avec l'option disponible 150 et 180 chevaux. Itineo a décidé d'utiliser le polyester pour ses façades, toits et le sous-plancher polyester. Nous retrouvons la face avant de l'Itineo, donc nous retrouvons une ligne assez design et moderne. On retrouve les feux diurnes présents ici, un noir mat pour le côté élégant et sa bande chrome. Dans les nouveautés de cette année, nous retrouvons une nouvelle matière de planche de bord, imitation carbone, ainsi que de nouveaux rideaux d'occultation cabine. Au poste de conduite, nous allons retrouver plusieurs éléments du pack life, tels que l'autoradio Pioneer avec ses enceintes, la caméra de recul avec l'écran sur le tableau de bord, la climatisation cabine, ainsi que le régulateur de vitesse. On se retrouve dans le salon du TC740. Donc, Itineo a décidé d'opter pour une banquette face-face avec deux séries, une table portefeuille. Dans la cuisine de l'Itineo, donc on va retrouver un réchaud 3 feux en inox gaufré. Cette année, Itineo a décidé d'opter pour une cuve rectangulaire ainsi que son robinet en laiton chromé. Ce bloc cuisine est constitué de trois tiroirs qui vont être freinés en fin de course et d'un verrouillage centralisé. On retrouve aussi une extension de plan de travail amovible qui va pouvoir être enlevée ou remise lors de l'utilisation. Nous avons décidé pour ce modèle d'opter pour un frigo de 150 litres avec sa partie freezer. Itineo a décidé d'aller un petit peu plus loin dans l'aménagement de ses véhicules en proposant dans ce modèle un maxi dressing. On retrouve deux portes coulissantes avec un côté penderie et de l'autre côté où on va retrouver des étagères. Dans le cabinet de toilette, salle de bain, on peut remarquer sa douche séparée. Nous voici à présent dans l'espace nuit du TC740 où nous retrouvons un lit transversal sur soute, donc de dimension 140 par 2,17 m. Afin de laisser un petit peu d'espace au niveau de la tête de lit et pouvoir ranger vos objets, vous retrouverez un chevet avec une prise 12 volts pour charger vos objets multimédia. Nous avons aussi des rangements dans les marches du véhicule pour accéder au lit. Itineo a décidé d'utiliser des matelas Bultex à haute résilience. Nous retrouvons une tête de lit design rétroéclairée. Grâce à ce modèle TC740, Itineo a pu positionner son lit en transversal, ce qui nous permet de bénéficier d'une soute grand volume. On retrouve une soute d'une hauteur de 1,20 m, d'un bac décaissé polyester pour faciliter le nettoyage et qui peut supporter jusqu'à 150 kg. Nous pouvons voir aussi un accès opposé afin de faciliter l'accès. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook ou bien au www.itineo.com. À bientôt.